Salut les filles! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème d'un bon plan que j'ai trouvé du côté de Verdun cette fois dans un magasin qui s'appelle Fabio Lucci et qui propose du maquillage de marque style Je mets Maybelline comme celui-ci à des prix cassés à 4 euros, donc 3,99. On va pas jouer sur les mots, hein, c'est 4 euros. Il s'avère que les arrivages de Fabio Lucci sont quasi approximativement les mêmes que ceux dans les Tati. Donc je suis allée voir, étant donné que je suis de Reims, dans le Tati Reims, et il s'avère que j'ai trouvé uniquement deux coloris. Sur tous ceux que j'ai trouvés à Fabio Lucci. Donc, le bon plan du moment, c'est les Color Tattoo. Donc, de chez Maybelline, 24 heures, qui sont à seulement 3,99 au lieu de 10,40 en moyenne. Hein, ça va entre 9,40 et 11 euros ou 12 euros. Ça dépend des magasins. Donc, bon plan pour le coup. Surtout quand on trouve autant de coloris que j'ai trouvé sur Verdun. Donc, le packaging se présente comme ceci. C'est les Maybelline de base, hein, exactement les mêmes. Sauf que pour ceux que je vais vous montrer, j'ai enlevé l'étiquette en carton, enfin le packaging en carton. Celui-ci, je l'ai trouvé pendant les soldes Leclerc. Il n'était pas soldé, mais j'ai craqué dessus parce que j'ai trouvé la couleur trop belle. Donc voilà, je ne crois pas que ce soit la couleur de cet été. Enfin, la gamme spécialement lancée pour cet été. Donc je pense que vous le trouverez dans tous les cas après cet été. C'est un mauve avec des reflets trop beaux, rosés, magnifiques. Donc celui-là, je vais vous l'ouvrir. J'ai tenu jusque-là, j'ai tenu bon pour ne pas justement l'ouvrir. Donc je vais me l'ouvrir, je suis trop contente. Et puis je vais vous montrer tout de suite les coloris que j'ai trouvés au Fabio Lucci de Verdun. Donc, dans un premier temps, nous avons le Pink Gold numéro 65. Donc, un magnifique rose avec des reflets super jolis. Ensuite, nous avons le Immortal Charcoal, le numéro 55. Donc, c'est un gris pailleté, très très joli aussi. Je fais en sorte quand même que le packaging ne vous empêche pas de voir la couleur. De toute façon, je vais vous faire un swatch. Le 35 On and On Bronze. Donc, c'est un magnifique bronze crémeux. Marron, beige, super joli aussi. J'avais hâte de vous faire cette vidéo parce que vraiment les couleurs sont au top. J'ai eu du mal à résister. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai retiré le carton, c'est pour éviter la frustration de me dire ah non, non, je dois attendre de faire la vidéo avant de les swatcher. Ensuite, on a le 70, le numéro Metallic Pomegranate. Donc, ça, c'est un. C'est plutôt un. Un cuivré rouge, rubis, assez pourpre. C'est vraiment très très joli. J'espère que les swatchs rendront bien parce que sinon. Ensuite, on a le 20, couleur turquoise forever. Donc, cette teinte-là, vous la trouverez aussi dans les Tati. C'est une des seules que j'ai trouvées avec le violet-violet. Je ne sais pas le nom. Parce que je ne l'ai pas pris étant donné que je ne mets pas énormément de violet pétant. Mais il y a en termes de couleur, l'intensité de cette couleur-là, mais en violet. Donc vous pourrez le trouver aussi dans les Tati. Étant donné que je ne connais pas les arrivages permanents, il faut s'y rendre. Voir si vous trouvez les couleurs qui sont à peu près comme celles que je vous ai montrées. Je ne sais pas, au mois de mars, il s'avérait que dans le 93, j'ai regardé une youtubeuse qui disait que. Non, pas une youtubeuse d'ailleurs. Je suis allée voir sur un blog qui disait que dans le 93, ils avaient eu des arrivages. Donc, complet. C'est-à-dire toute la gamme que je vous présente.
Mais malheureusement, par chez moi à Reims, c'est pas encore arrivé, ou alors ça arrive à goutte à goutte avec certaines petites couleurs. Et encore, il y a deux pots dans tout le tas, donc voilà. Donc pour le vin de Turquoise Forever, ça donne ça. C'est un très beau turquoise, irisé, pailleté, vraiment qui a l'air extrêmement bien. J'ai hâte de voir tout ça. Ici, nous avons le numéro 5, l'Eternal Gold. Donc ça, c'est un or, mais qui tire pas vers le jaune. Jaune, hein. C'est vraiment un or. Parce qu'en fait, moi, je n'aime pas les couleurs or, parce que j'en porte peu, mais qui tire sur le jaune, l'ocre trop foncé, ou voire même le orange. Je préfère des couleurs qui tirent sur le nude, vraiment couleur peau, quoi. Et celui-là est parfait, en fait, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment pas orange, orangé, quoi. C'est pas non plus jaune, jaune canari, donc c'est parfait. J'ai vraiment adoré. Et puis le dernier, c'est le 50, c'est le Eternal Silver. Donc là, c'est moins gris que le premier que je vous avais proposé. C'est vraiment un gris clair, magnifique. Il est magnifique, vraiment. Et puis je vais déballer celui que j'ai acheté au Carrefour. Non, au Leclerc. Je m'excuse. Alors, si je trouve. Alors, ils sont très compliqués à ouvrir. Le truc, c'est que voilà, quand on n'a pas préparé de ciseaux comme moi, tête en l'air, forcément. Bon, ça va encore. Je force. Ouvre-toi. Alibaba. Eh bien, on risque pas de la leur voler, hein, ça c'est sûr. Ah, voilà. Donc, le voici, le voilà, c'est le magnifique mauve dont je vous parlais, avec des reflets un peu rose pâle, vraiment un bleu violacé, rose magnifique. Donc, nous allons passer au swatch. Oui, je suis trop contente. Alors, ce mauve, oh, il est trop beau, c'est une tuerie. Ah, oh, c'est une tuerie, les filles. Vraiment. Oh, il est vraiment trop beau. Violet, avec des reflets roses. Magnifique. Je ne sais pas si vous verrez très très bien, mais il est vraiment trop beau. Regardez. Là, peut-être beaucoup mieux, ouais. Là, on voit beaucoup mieux. Un reflet magnifique. Magnifique. Donc ça, c'était pour le Mauve Crush. C'est le numéro 87. Voilà. Ensuite, nous passons au Pink Gold. Oh, très joli aussi. Voilà ce que ça donne. Il est magnifique. Un rosé magnifique. Vraiment superbe. Je vais essayer de vous le swatcher. Les couleurs sont hyper pigmentées. Franchement, je ne regrette pas. J'en avais entendu parler vraiment. Oh là là, regardez ça comme il est beau. Il est super beau. Un rosé. Oh, magnifique. Je vous ferai de toute façon en fin de vidéo, je vous ferai un montage avec les noms et les références. Ensuite, on passe au 55, Immortel Charcoal. Alors là, il est vraiment intense, gris foncé, magnifique, super joli, j'adore. Surtout que moi, si vous voyez, là, je mets du foncé et ensuite j'estompe. Je pense que quand je vais porter du gris, ça va être une tuerie. Il est hyper pigmenté, j'en ai pas mis énorme. Et vous voyez ce que ça donne. Ah, oh, c'est superbe. Vraiment une tuerie. Une tuerie. Ensuite, nous passons au 35 On and Bronze. Alors, oh, un bronze clair, magnifique. Enfin, il est vraiment super joli. Il est magnifique. C'est un espèce de nude. Il est trop beau. Je suis trop ravie. Je suis comme une folle. Regardez-moi ça. Il est trop joli.
Il est trop joli. Trop joli! En fait, elle tue, quoi. C'est des couleurs qui tuent. Je comprends qu'il y ait des youtubeuses qui soient tombées amoureuses de Je mets Maybelline et des couleurs tatou, rien que pour ça, parce que niveau pigmentation, c'est super. Au niveau couleur, elles sont mortelles. Donc là, c'est le 70 Metallic Pomegranate. J'adore, 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 j'adore. Bon, attends, parce qu'il faut que je trouve de la place maintenant pour... Oh, c'est trop joli avec des paillettes et tout. Oh, c'est trop beau. Regardez ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Je vais vous l'approcher un peu plus. Ah, c'est trop, trop, trop beau. Je sais pas si vous voyez bien les petites paillettes. C'est trop beau. Vraiment trop beau. Vous penserez à moi, hein, j'espère. Alors ensuite, le fameux turquoise. Donc le 20 Turquoise Forever. Il est aussi... Oh là là, j'ai pas frotté beaucoup, mais pareil. Il est trop, trop joli. Trop, trop beau. Je vais arrêter de dire trop, trop, parce que en fait, il y a beaucoup de trop, trop dans ma vidéo. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Ah, oh, il est beau. Je suis comme une gamine, vous voyez, à Noël, qui teste et tout. C'est quand vous dites, je sais pas, quand vous vous retrouvez devant des choses qui vous émerveillent. Bah écoutez, moi c'est pareil. Je me retrouve devant des choses qui me font limite ouvrir la bouche. Donc c'est rigolo. Mais vous moquez pas. Donc voilà. Ensuite, nous avons le Eternal Gold. Donc je vais vous l'ouvrir tout de suite. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un or, mais vraiment pas tiré vers le jaune banane ou canari, ni vers le orange. Orange est trop pas beau. Donc je suis ravie. Oh, purée. Bon, c'est très léger par contre, hein. Mais moi j'adore. Oh, regardez-moi ça. C'est trop joli. Oh, trop joli. Et le dernier, parce qu'il y a bien toujours une fin, c'est dommage, mais c'est pas grave. Donc le dernier, nous avons le 50 Eternal Silver. Oh, celui-ci, il pigmente un tout petit peu moins, mais il est tout aussi joli, hein, vraiment. Oh. Regardez-moi ce reflet de dingue. Oh là là! Oups! Oh là là! Oh là là! Un reflet de fou. Bon, ben voilà quoi. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Donc, ben, écoutez, j'attends vos commentaires. J'espère que vous trouverez... un Fabiolucci ou un Tati qui le fasse près de chez vous. N'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo pour me dire si vous avez trouvé à quel tarif, parce que normalement c'est un tarif unique, hein. Donc 3,99 je vous le rappelle. Et puis voilà, savoir si vous avez apprécié cette vidéo ou pas. Et puis voilà. Donc je vous mets un swatch tout de suite et je vous dis à bientôt. Bisous bisous et rappelez-vous, la vie est tellement belle en rose. Bisous!